Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sous Palmi Sakma Boulakay. C'est tout bon vrai, haïtien yo dit yo pas prêté et qui tout temps des monde mouri, yo pas besoin qu'on ait. Ça vient une véritable crise. En fait, si il n'a pas gardé des noms là, ça n'a pas gardé des noms là. C'est là où joignent quelques haïtiens, pas gain monde sous lit, bien entendu. Et comprendre bien, c'est que yo joignent plusieurs qui gagnent à mourir. Sous la mer, dans la zone de Porto Rico. Et plusieurs autres, ils rejoignent et sous et île ça, qui n'a pas gardé des noms là. Et ils rejoignent un corps de 5 migrants haïtiens. Et jeudi, je ne en fait, m'a pas avec nous, on a fait vidéo ça dans jeudi. Et jeudi soir, on va publier le vendredi. Donc jeudi soir, en parlant de hier, ils rejoignent 5 migrants haïtiens et dans de l'eau, dans la zone et Mona Island. Et donc, tout près de Mona Island, donc, ils ont une île, en partie dans le temps, c'était, qui est inhabitée entre Porto Rico et République Dominicaine. C'est ça, cause Gadio fait qu'on est. Et cause Gadio, était arrivé localiser 66 lots qui te survivent dans l'île où est nous là. Parmi eux, il y a deux mineurs. Et les kinabis disent ça, ils ont lagué offshore, on veut dire, ils ont lagué sous cette île-là. Et jeudi matin, c'est ça qui a fait qu'on est. Donc, je viens de constater là, il y a une quantité croissante chaque jour plus haïtien et fait voyage ça, voyage périlleux à travers Caraïbes là, ces derniers mois. Et ou ka comprendre ça fait ça tout. Parit la vie, gang, c'est, je ne j'ai dit, j'en dans la vie, nous fait hier, et c'est sans prendre souffle. Et c'est une guerre continuelle. Et soleil pas jamais levé sous pays sale, toujours fait noir. Et situation vient plus. Et gagné United Nations Humanitarian Coordination, Erika Richardson, il déclarait dans ce moment-là que problème en Haïti, il y avait une pipelisse à cause de pauvreté, pas gain sanitaire, les services de base, inclus sécurité et violence là, qui a monté bon chaque jour. Et entre 8 à 17 juillet, il y a parlé de 471 personnes qui t'a mouru. Et il y a parlé plus de 1000 personnes qui t'a mouru. C'est rapport aux Nations Unies. Et comprenez bien, nous parlons de nous parlons là de Haïtiens qui ont joué un corps, ils ont mouru. Tout près de Porto Rico, son île, ça c'est hier jeudi. Mais c'était dimanche passé. Monte fait vidéo pour nous. Côté que gagne un bateau qui t'est chaviré tout près de Bahamas. Et nous avons regardé, en fait, nous avons montré quoi, parce que l'image ça, on est YouTube pas d'accord. 17 moun hein, qui boit de l'eau. Et t'es gagne un peu sauvé, mais t'es gagne un peu sauvé, mais on va expliquer tout, en parlant de cas. Et bateau ça t'est chaviré, bon, Bahamas. Dans ça qui sauvé, yo, presque tous ces garçons. Ils étaient venus son bateau à chavirer, son petit coq bateau. Tous ces garçons, c'est le femme. Ça montre que, vous comprenez. Vous comprenez que c'est une bataille. Puis, il y a une bataille. Garçon, puis faux. Garçon, c'est parce que tout ça qui est mort, c'est fille. On a parlé de ça qui est passé, Bahamas. Si vous comprenez ce que ça veut dire, c'est des séries de monde qui prennent l'eau, il y a goumé. Il y a goumé. Et justement, et il faut comprendre, c'est garçon seulement. Dans ça que t'es sauvé, qui t'est arrivé sauvé, ça dimanche, de dimanche à jeudi, combien de jours? De dimanche à jeudi, on vient prendre et ça ne saute pas là. Mais, il y a une situation.
Presque 6 100 migrants haïtiens et 6 100 haïtiens et Côte Gardiodio stoppé depuis octobre. Une augmentation côté 1 500 haïtiens, les a comparé. Est-ce que vous comprenez? À 2021, il y a 1 500. L'on rentrait à 6 000. OK? Au bout de 2020, il était 400. Est-ce que vous comprenez les chiffres? 2020, était 400. 2021, 1 000. Mais on rentre dans l'année fiscale 2022 à là, il faut qu'on finisse, on est parti pour 6 000. Donc, on peut comprendre que, effectivement, situation tête en bas dans le pays d'Haïti et porter mounio pas garder et que ont décidé de faire journée ça à tout prix, même au prix de leur vie. Très tellement, ils sont au courant de nouvelles que nous avons là, que nous avons chaque fois. Les nous avons nous-mêmes, c'est pour nous capables de dissuader les gens. Je souhaite que nous-mêmes, tout dans la communauté, s'il vous plaît, rendez-moi un service. Parce que généralement, moi, je ne vais pas demander. On connaît chaque monde qui a une stratégie. Ou les gens sont sur Facebook, là, dit share vidéo à share vidéo. YouTube différent. Parce que YouTube, qui est lié, depuis son abdi important, il y a un ensemble de monde. Mais étant donné que nous ne sommes pas tellement sur Facebook, nous-mêmes, pas presque produit vidéo sur Facebook. Donc, je demande à nous et rendre mon service, partager chaque. Depuis que cette vidéo, je vois qu'elle parle de Mounsayo qui perdit la vie. Dans l'autre dimanche, je parle de partager. Parce que l'idée, c'est justement de mettre autant de monde au courant de périple. OK? Et mettre, parce que, pendant que je dis ça, il y a des gens qui parlent qu'on est de tout update ça. Parce que, je ne peux pas imaginer, si on connaît dimanche, même si on dit, mais combien de monde qui mourent. Je dis, il faut que notre mère réfléchisse sur le monde de l'autre bas encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons une information, ça, vous partagez. Et autant que possible, nous capables de sauver la vie. Parce que ça, vous comprenez dans l'histoire, ça. Il y a un groupe de monde qui vivent de ça. Yeah. Il y a un groupe de monde qui vivent de l'activité, ça. Donc, pour le groupe de monde, ça, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de bon pour eux. Parce que yo joine moun ki pou ap ba yo 8000 dollars 4000 5000 dollars américains et puis pour et mener famille yo vin vive situation ça. OK, so donc voilà guys, encore une fois les haïtiens yo qui a perdu la vie sous l'eau.